Thierry. Et vous avez des entrées extraordinaires. Je suis de mieux en mieux sur l'escalier, je ne vous le cache pas, je vous le cache pas. Bienvenue le roi, c'est l'escalier. Ah, vous êtes à l'Alhambra à partir de mardi. À partir de mardi jusqu'au 29. On y sera. Allez, venez tous. Allez, venez tous. C'est drôle. C'est très drôle. Ça, oui, on y va ensemble. C'est toutes les blagues qui sont encore plus drôles parce que voilà, je ne les ai pas faites ici. Ah ouais, d'accord, les blagues encore mieux. Dis-moi Thierry, tu es obligé d'avoir un quota de Belges dans l'émission? Ouais, t'as vu. On est presque en majorité. Ouais, en t'as vu. C'est le grand remplacement, ça. Ouais. Jingle. On commence par la politique française avec Emmanuel Macron qui dit « Je reconnais des erreurs sur la crise des gilets jaunes. Je dirais qu'il y en a au moins deux, Christophe et Castaner. » Côté gilets jaunes, on est créatif apparemment, puisque les policiers ont été ciblés par des jets d'excréments à Marseille et à Montpellier, selon le syndicat Alliance. Ah, quand un gilet jaune te dit « Aujourd'hui en manif, ça va chier », c'est pas qu'une expression. Et sur le compte Twitter, justement, l'organisation syndicale de l'UNSA, la police, souligne le caractère prémédité et dégoûtant de ces attaques. Alors, dégoûtant, c'est indéniable. En revanche, prémédité, à ce stade, on ne peut pas le dire. Mais c'est vrai que si on apprend que tous les gilets jaunes se réunissent le vendredi soir pour manger indien, là, clairement, c'est un indice. Politique toujours, Jean-Pierre Raffarin soutiendra la liste LREM pour les européennes. Alors être un jeune parti politique et avoir Jean-Pierre Raffarin comme soutien, c'est un peu comme si Angèle se faisait écrire son prochain album par Didier Barbolivien. À gauche, pour Jean-Luc Mélenchon, le gouvernement veut lui pourrir la vie. Et apparemment les salauds, ils ont commencé par ses dents. C'est sur le physique, c'est purement sur le physique. J'ai droit à une sur le physique par semaine, je la fais. Politique internationale, eh bien vous en avez parlé à Alger, la colère de la jeunesse répond à la candidature de Bouteflika. C'est quand même dingue de voir la jeunesse se lever contre quelqu'un qui ne l'a plus fait depuis 15 ans maintenant. En gros, la jeunesse algérienne rêve que Bouteflika vous plagie, Nawel Madani, en disant « c'est tout pour moi ». Malgré ça, selon l'ambassade d'Algérie en France, Bouteflika a toute la tête de ses 20 ans. Bon, alors les seuls mecs de 20 ans qui ont la même activité cérébrale que lui, ils sont sur W9 dans les Marseillais. Thaïlande. Une touriste française finit en prison à cause de sa cigarette électronique. L'objet est interdit là-bas. Et c'est quand même marrant. Donc en Thaïlande, la cigarette électronique est interdite même pour les majeurs, alors que la pipe à des vieux monsieur est autorisée même pour les mineurs. Toute autre chose, la prostitution à Lourdes explose. J'en connais une qui ne va pas rester vierge longtemps. Et rappelons que le meilleur moyen de se faire baiser à Lourdes, ça reste quand même d'acheter une gourde d'eau bénite dans la petite boutique. People, je sais qu'elle était très triste, Nawel, aussi, cette semaine. Vous avez fait un post magnifique. Luc Perry nous a quittés. Hein, Dylan. C'était mon cum, lui. C'était le cum de toute une génération. Hein. Beverly Hills 9-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 
Affaire Dupont de Ligonnès, la maison vendue avec une grosse plus-value, ah, comme quoi ça valait la peine de refaire la terrasse. Et il les voit arriver avant, le salaud. Dès que c'est du bon noir, il le voit arriver avant. Notons que si tous les lieux où ont été commis des horreurs prennent de la valeur, le studio d'enregistrement du dernier album de Matt Pokora va partir à un gros prix. Immobilier encore, acquéreur d'un viager, il aurait voulu empoisonner un retraité avec du collyre pour chien. Alors rassurez-vous, l'homme va bien, il n'est pas mort, mais en revanche, maintenant, il arrive super bien à repérer un chat à 400 mètres. La dernière brève plus rigolo à Strasbourg, un bar au nom de cocktail pornographique signalé par Oser le féminisme. Alors sur la carte des cocktails, je vous ai apporté deux trois exemples assez rigolos, notamment les boissons étalons musclés à rassasier, cul tendu à tension due, ou encore une éjaculation faciale, c'est à base de rhum blanc et de banane. Tout ce que je peux vous dire, c'est pas élégant, mais apparemment c'est une idée du nouveau barman qui a tenté quelques trucs. Voilà, on le salue. Évidemment. Ça marche toujours. Allez, culture! L'artiste de la semaine. Chaque semaine, je propose d'aller visiter une expo ou de découvrir un artiste. Cette semaine, c'est un artiste suédois. Exactement. Ah, Eric Dittmann, je l'ai connu, c'est pour ça. Ah, ben voilà, ouais, ça fait plaisir. C'est pas toutes les semaines qu'on tombe sur un artiste connu de quelqu'un de la table. Alors, il est suédois. Il a dû quitter la Suède avant ses 20 ans car il a été identifié comme objecteur de conscience et il a trouvé refuge à Paris. Alors, on décèle déjà une certaine passion pour les crânes, notamment sur cette photo. Et à voir son physique, c'est plausible qu'il ait mangé lui-même la viande de la personne autour du crâne. C'est un peu Pierre Tornade qui aurait avalé tout le reste de la 7e compagnie. Alors en ce moment, il est l'objet de deux expos, une à Paris, une à Saint-Etienne. À Saint-Etienne, c'est essentiellement des dessins comme celui-ci qu'on va voir, voilà, intitulé L'adolescence, une belle métaphore de l'adolescent qui répond à ses parents « Parle à mon cul, ma tête est malade ». Ah ouais, c'est joli, non? Ou encore ici, voilà, après le hijab pour joggeuse, Décathlon aurait tenté la burqa pour nudiste, le fantasme de Tariq Ramadan. Eric Dittmann a publié un livre qui s'appelle « Dessins sans regarder », car il réalisait des peintures avec les yeux bandés. Ah, c'est une bonne idée pour voir ce que Gilbert Montagné aurait fait s'il avait choisi la peinture plutôt que la musique. Et à Paris, ce sont des sculptures, comme celle-ci. Ah, ça, c'est vraiment très chouette. Voilà. Une œuvre qu'il a appelée lui-même « Presse Aztèque Aztèque ». C'est un jeu de mots, parce qu'à gauche, il y a une presse aztèque hachée, et à droite, un symbole aztèque, d'où la culture aztèque. Voilà, Mais c'était un type génial, très drôle, un bon vivant, il est mort maintenant. Ah oui, 2002. Voilà. Mais vraiment, voilà. Je suis contente qu'on en parle, même en déconnant. Oh bon, même en déconnant. C'est toujours le but, c'est de donner envie aux gens de découvrir plus. On va en voir d'autres encore, d'ailleurs, parmi les autres œuvres, on a celle-ci. Voilà, alors il a appelé réellement cette création « Employé de la banque du sperme 2 ». Alors déjà, ça donne très envie de voir le 1. Eh bien, je l'ai. Je l'ai, « Employé de la banque du sperme 1 », c'est celle-ci. Voilà, c'est prétentieux vu la taille des gobelets. Mais le plus intéressant, à mon sens, ce sont les installations d'Eric Dittmann. Alors, voilà, celle-ci, moi, j'aime bien. Des bougies dans des talonnettes, ouais. Voilà. Et les chaussures sont en bronze, hein. C'est ça que voilà. Tu vois pas. Ça aurait pu être le gâteau d'anniversaire de Nicolas Sarkozy. Ou alors, c'est sa façon à lui de nous dire que le mouvement En Marche se consume petit à petit. Autre œuvre ici, voilà, des corbeaux, des crânes, voilà, réunion de travail au Parti Socialiste. Et celle-ci où l'on voit, voilà, comment Nordal Lelandais s'entraîne pour la prochaine saison de Top Chef. Et enfin, ma préférée, voilà, regardez la bien. Elle aurait pu s'intituler « Ceci n'est pas une pipe ». Eh bien non, ce sont 44 pipes. Allez donc à Paris, à Saint-Etienne, parce que je sens que Josiane, elle va aller pour découvrir l'œuvre de Dittmann. L'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. C'était Alain Gisorek.